Chantal Ladessous, lors d'une récente intervention, a soulevé des spéculations sur une possible relation entre Elena et Pierre, les deux académiciens en lice pour la seconde demi-finale de la Star Academy. Les rumeurs autour de leur supposé couple ont enflammé les discussions parmi les fans et les téléspectateurs. La présence de moments complices et de gestes affectueux entre les deux candidats alimente cette conjecture. Cependant, il convient de noter que ni Elena ni Pierre n'ont confirmé publiquement une relation amoureuse entre eux. Les déclarations de Chantal Ladessous peuvent être interprétées comme une taquinerie ou une spéculation de sa part. Jusqu'à présent, la nature exacte de leur lien reste donc sujette à interprétation et à l'imagination des fans. L'ambiance autour de la demi-finale de la Star Academy, qui déterminera le candidat qui poursuivra son aventure au château de Damary-les-Lys entre Elena et Pierre, est chargée de spéculations concernant leur relation. Au fil des semaines, ces deux jeunes académiciens de 21 ans ont involontairement alimenté des rumeurs de couple. Même l'humoriste Chantal Ladessous, lors de sa visite dans le château, a contribué à ces sous-entendus. Lors de son passage dans l'émission Camille en image avec Camille Combal ce jeudi 25 janvier, elle a réagi à un extrait de la Star Academy mettant en scène Elena et Pierre en déclarant « Ils ont un petit crush les deux là », faisant ainsi monter l'attention autour de leur relation. Intriguée par la remarque, Camille Combal a interrogé l'humoriste pour en savoir plus. « Pourquoi Chantal, as-tu remarqué des petits détails au château ?» Chantal Ladessous a alors répondu avec retenue « Je préfère ne pas en parler », avant d'ajouter d'un ton taquin « Mais c'est vrai qu'ils sont très proches, tu vois », tout en mimant des caresses sur la tête du footballeur Adil Rami, qui était à ses côtés. Pendant la quotidienne, les téléspectateurs ont pu découvrir la séquence avec Chantal Ladessous au château. Avait-il lancé à la jeune femme, provoquant sa gêne? Alors que les deux élèves étaient face à face pour une improvisation, Kev Adams enfonce le clou. « Il se passe quelque chose entre vous, n'est-ce pas ?» Avant d'ajouter, « Vous êtes sur le point de vivre une histoire d'amour. » Il y a quelques jours, Brigitte, la mère d'Elena, a été invitée sur l'émission « Il mériterait d'être dans le journal » sur Belle RTL. Pendant cette interview, elle a pris la parole sur le rapprochement entre sa fille et Pierre. Pour voir ses enfants qui vivent isolés de tout, « Je comprends parfaitement qu'il y ait des rapprochements affectifs », a-t-elle exprimé en introduction, soulignant que « c'est la meilleure façon de maintenir un équilibre psychologique ». Selon elle, les deux candidats partagent de nombreux points communs, ce qui facilite leur complicité. Ce sont les deux mêmes, ils aiment les mêmes musiques, ils ont le même caractère, ils aiment chanter ensemble, c'est un accord parfait artistique.